Thank you.
Olé. Avec micro, tout au long de ce point. Ce que vous allez jouer maintenant, c'est une pièce qui a été composée à Amiens en 1969. Alors je vais juste lire un petit extrait qui commence « Avec qui et quand peut-on tautologuer ?» Tautologos 3 est inventé pour n'importe quel groupe d'instruments dont le minimum est fixé à Vos 3 est inventé pour n'importe 7. Peut-être réalisé par un grand orchestre, mais avec infinie précaution. Donc, tous les Vos 3 est inventé pour n'importe quel groupe allant de 7 jusqu'à l'orchestre symphonique, et plus sont possibles. Le Vos 3 est inventé pour le public est lui-même inventé, non, excusez-moi, le public est lui-même invité à inventer tout le Vos 3 selon les mêmes lois que l'orchestre. Comme tu voulez-vous aussi tout le Vos 3. Réaliser dans une salle de concert traditionnelle et prendre place comme une pièce de concert avec des musiciens sur scène, sur scène, sur scène, sur scène. Peut-être réaliser dans une salle de concert traditionnelle les musiciens dispersés dans la salle. Ainsi, chaque musicien peut entraîner un groupe de tautologueurs. Thank you.
Laure Masquelier, Sylvain Cassac. On a joué d'abord Bonjour, comment ça va? Et après, Brunhilde qui a présenté Brunhilde Ferrari, que vous connaissez peut-être pas tous. Hein, compositrice et muse de Luc. Donc, c'est pas rien. Et puis, Eric M, qui est là aussi avec nous. Eric M. Alors, c'est toute une aventure, puisque donc, là, vous avez les trois cofondateurs de Laborintus. Laborintus, pour les plus anciens, peut-être, ça dit quelque chose. Laborintus. Qui existait 20 ans, ça fait une 25, grand bonheur. 25, me dit Nouveau. on a eu le grand plaisir de rencontrer Luc et Eric. Eric, on a travaillé avec Eric M grâce à Luc Ferrari qui nous a regroupés. Quoi ? Non, oui, non, oui, un peu, vrai. Donc c'est vraiment émouvant pour nous d'être là ce soir, à la fois pour fêter des années de travail ensemble et des années d'amitié, de partage, d'amour, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est vraiment un moment fédérateur pour nous, et ça a donné naissance, tout ça, à un double album que vous pouvez voir, où on est tous les cinq Laborintus, Brunhilde, Eric, et bien sûr Luc, qui est dans ce double album que vous pouvez feuilleter ici, avec en plus un joli visuel pour rêver. Alors, je ne dis pas si c'est Luc ou pas Luc. Ceux qui le connaissent sauront. Vous pouvez venir voir de près si ça vous aide. Voilà. Donc, ce soir, c'est aussi pour se rencontrer, éventuellement prendre le disque, l'acheter si vous avez envie, rencontrer Brunhilde, Eric, nous-mêmes. Et puis, nous allons rejouer plusieurs sets, encore trois sets de 15 minutes à chaque fois. Donc, profitons-en pour se parler, pour boire peut-être, déjà un peu. On peut déjà commencer à boire. On écoutera mieux la musique. Hein. Luc aimait bien boire, c'est important de se le rappeler. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, oui, oui. Il aimait bien avoir un verre dans la main. Et du bon vin. Et du bon vin. À n'importe quoi. Donc, voilà, profitons-en. Profitez-en aussi pour découvrir Souffle Continu qui nous accueille. C'est très important, ce sont des lieux pour nous qui sont des lieux, c'est la grotte originelle. C'est là où on peut retrouver aussi bien tous ces livres que vous voyez qui sont merveilleux, tous les disques. C'est des endroits de découverte, des endroits de soutien de la musique, des musiques qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres magasins. Donc, profitez-en. Voilà, faites le tour. Et on revient jouer tout à l'heure. Merci. J'ai rien à dire et je le dis. Ça, c'est John Cage. Juste. Alors, on va faire un deuxième set de 15-20 minutes avec Archive Sauvée des Eaux. C'est une archive Sauvée des Eaux qui est vraiment particulière parce qu'en plus, Eric a retrouvé un fichier son qui date de la rencontre de Luc avec Eric, où Luc discute sur comment faire. Comment utiliser en fait ces machines. Il découvre les machines d'Eric. Ça pile 20 ans parce que c'est 2002. Ah ben c'est magnifique. Ouais. Donc c'est comme un palimpseste, c'est les archives Sauvées des Eaux avec les archives d'Eric et des archives de Laborintus. Voilà.
faut dire que quand même, Laborantus est en sommeil, enfin, est en sommeil depuis 2017. Et on s'est juste réveillé de notre hibernation à cause de ce disque. Et à cause de, voilà, l'idée de transmettre la musique de Luc encore un peu. Voilà. Mais on se rendormira juste après. Non, mais c'est pas la peine. C'est comme ça. Restez avec nous. Pas. Oui, j'essaie. Alors, il s'agit de Archives sur les Déjeuners, qui date de l'année 2000, et qui a comme sous-titre Exploitation des concepts, numéro 1. Alors, ces exploitations vont dans toutes les directions, la technologie, les cycles superposés, le minimalisme, presque rien, les architectures du hasard, l'anecdotique, la narration, le quotidien, l'art pauvre, les souvenirs, etc. Tous ces concepts qui sont passés dans mes préoccupations, mais que jusqu'alors je n'avais pas vraiment exploité. Alors, utiliser ces archives, ça, c'est basé sur une inondation qu'il y a eu à l'atelier où je gardais toutes ces bandes. Et il y avait toute une rangée, c'est-à-dire sur 2 mètres à peu près, sur 2 mètres de long, qui avait été donc mouillée et les cartons étaient complètement détruits. Et ils voulaient les copier, ils voulaient copier les bandes et ça l'embêtait beaucoup, c'était trop fatigant. Alors, il s'est mis à composer et donc il a fait Archives sur les eaux. Voilà. Thank you.
C'est-à-dire que quand tu renvoies la machine, il recommence à l'endroit où tu as rentré ton pion. C'est-à-dire que si tu mets ton pion à un point d'entrée. On peut venir à zéro. Thank you.
On peut faire une compile si vous voulez. Il y en a un, quand même, hein. Mais c'est une autre soirée. Quoi. Des promesses. Bon, un petit verre avant le troisième set. Oui, ça marche. Hein, parce que vous, boire fait partie de l'écoute, parce que au fur et à mesure, votre écoute va changer. Oui, c'est très important de boire ce. Ah, ben, c'est compliqué, oui. Vous jouez exactement la même chose pour vous. Oui, c'est vrai.